Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue ici Jake, vous êtes sur Iva Sound Studio. Iva Sound Studio, qu'est-ce que c'est? C'est une petite association de radio, de gaming et plein d'autres choses à côté. Allez vous renseigner, cliquez sur tous les liens des réseaux sociaux, c'est important. Et venez aussi sur Discord, parce qu'on parle de beaucoup de choses sur Discord. Cet après-midi, je vous propose pour ma part du Mario Golf Super Rush. Voilà, c'est directement affiché à l'écran, j'ai même pas besoin de le dire. Il y a des nouveaux personnages, il y a aussi des nouveaux parcours, du coup c'est le sujet de cet après-midi. Tranquillement, nouveaux parcours, nouveaux personnages à jouer. Donc, il y a le Ninji. Je m'étonne de le voir de cette couleur. Ninji, de mémoire, il est violet. Ou alors, ma mémoire me fait défaut. Personnage qu'on a vu apparaître dans Mario, Super Mario Bros. 2, si je ne me trompe pas. Koopa. Bon, ben Koopa, on ne présente pas Tortue depuis les tout premiers Mario. Évidemment. Et les nouveaux parcours de golf, vous pouvez à présent jouer sur le parcours de Combe au vent. Un parcours avec du vent, en général, déteste ça. Je vois qu'il y a des pingouins qui glissent aussi. Ça va être une vraie partie de plaisir. Vous pouvez à présent jouer sur le parcours de Peaky Palm. Ça a l'air déjà un peu plus paradisiaque, mais un peu désertique aussi. Il y a de l'eau, attention à l'eau. On le sait très bien dans Mario Golf, l'eau, c'est pas notre ami. Il y a... Je sais plus comment il s'appelle ce personnage vert là avec la boule de pique. Bref, lui qui va nous embêter. Voilà. Voilà le ce qu'il faut faire aujourd'hui. Donc on part en match libre. Il me semble pas qu'il y ait du contenu. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de contenu histoire, mais j'ai pas le droit de faire que... de passer par là pour revenir au menu, c'est dommage. Ça d'ailleurs, très dommage. On va revenir en arrière. Attendez, ça. Si vous avez suivi la base Mario Golf, vous savez que ça a déjà été fait. Menu principal, c'est ce bouton. Voilà, on y retourne. Match libre. Parce que classé, en vrai. Ah mais attendez, il y a des récompenses là, il y a des totes colorés. Let's go, hein, si on peut trouver du match classé en vrai. Si ça peut faire les points pour avoir des gens, des totes colorés. Comment on fait, comment on joue? On va jouer en speed golf en effet. Pas en mouvement, mais en bouton. Des matchs placés tous les mois. Bah go en speed golf hein, du coup. Comme ça on fait on découvre tout ça. Alors on va jouer avec Ninji. Mon dieu la vitesse. Ah ouais il a une grande vitesse en effet. Et Koopa a beaucoup de précision. D'accord, ça va être intéressant. Koopa précision, Ninji vitesse. Let's go. On va commencer avec Ninji. Et on part en speed golf, comme ça au moins je suis sûr de voir les nouveaux parcours. Il y a... C'est quoi cette histoire de récompense? Il faut être au moins le rang A- dans un mode pour recevoir la récompense du mois. C'est gentil, mais j'ai pas le niveau en fait. Hein. Pour recevoir des Toads colorés. Les taux de coloré, c'est pas mon fort. Hein. Pouet, pouet. Salut Wedios. Comment il va Wedios? Ça fait longtemps que j'ai pas vu un beau Jake. Ah, ça y est, ça commence. Ah là. En vrai, je suis absolument pas sûr que ça tag en classé. Je suis même pas sûr qu'il y a des gens qui jouent encore à Mario Golf. Mais vu qu'il y a vraiment la mise à jour, elle date il y a une semaine, même pas, en vrai. Un poil plus d'une semaine peut-être, je me dis qu'il y a quand même plus de gens qui jouent maintenant. Enfin de mois du moins. Le problème de ces jeux c'est comme Mario Tennis, etc. C'est les gens ils jouent les trois premiers mois et après il n'y a plus personne. Et c'est bien dommage. C'est vraiment vraiment dommage. Donc, bon.
Et vous allez voir que ça va pas tag du tout. Hein. Donc, sinon, on partira en match libre, normal, tranquille. Tranquillement. Bon, quoi vous dire de plus en attendant là, durant que le chrono tourne. Déjà que ce soir à 21h, si je me trompe pas, il y aura Draken qui va commencer BioShock. Alors, est-ce qu'on dit BioShock ou BioShock? J'ai entendu dire les deux. Moi, je lis ce qu'il y a sur le jeu, il y a marqué BioShock. Ouais. BioShock qui est un jeu qui date un peu maintenant, mais peut commencer à être considéré comme rétro. Qui va poser des questions très intéressantes autour du capitalisme. Et oui, les jeux qui font passer des messages, c'est pas d'aujourd'hui, ça date il y a un certain temps. Oh mon dieu, il y a des gens! Il y a des gens! Attendez, il y a des gens! Au secours! Donc BioShock ce soir à Dragon. Non, par contre, les décors de BioShock sont vraiment très très beaux, même pour l'époque. Ambiance art déco, ça veut dire que c'est l'ambiance des années 1920. Et pourtant, dans un moment historique qui se passe après la Seconde Guerre mondiale. Donc BioShock, c'est un jeu qui va être très très intéressant. Une aventure à suivre donc dès ce soir à 21h avec Draken sur Twitch Iva Sound Studio. Est-ce que ça tag ou pas? C'est long hein. Même sur Heroes of the Storm, j'ai l'impression que ça tag plus vite. Pour de vrai. Donc bon. Allez, 20 secondes encore. C'est chiant ces jeux-là, c'est que vraiment les gens ils n'y jouent plus très rapidement et c'est dommage parce que c'est des jeux, des party games intéressants. Donc le temps que ça charge et tout, ça tourne. Il faut meubler. On meuble comme on peut, IKEA, Conforama, Alinea. Non, pas lui Alinea, c'est le plus Alinea. Que dis-tu? Oh, Yakipon, bonjour Yakipon. J'essaye de voir si mon message fonctionne, mais je boucle sur l'erreur qui doit. Rechercher le. Oh non, cette erreur là encore, sérieux? Punaise. Je sais pas quoi faire pour régler cette erreur là. C'est pas la première fois que j'entends ça. Faut que je dorme, bombe, fumée, disparaît dans les ombres. Bonne nuit, journée, après-midi, repose-toi bien. Attention. Alors, nouveau parcours. C'est de la neige, il y a du vent, c'est la tempête de neige au secours. La map a l'air horrible. La mini-map a l'air horrible. Moi je sais plus jouer. J'ai même pas fait gaffe au vent en fait. Ah mince, mais c'est un speed golf! J'ai oublié! Comment on speed? Je sais plus. Il se déplace d'une manière très rigolote le petit ninja là. J'aime beaucoup. Ah oui, c'est ce bouton là en fait. Hop hop hop! Mais la balle elle est méga loin en fait. Le drapeau il est là-bas et les gens ils passent à gauche. Pourquoi est-ce qu'ils passent à gauche? Parce qu'il y a un nuage derrière. Ah bon, on va le tenter quand même. Et à toute vitesse. Ça passe. Il y a un truc qui m'est passé devant là. À l'écran. C'est les pingouins. D'accord. Le vent est passé. Les pingouins ils vont flipper. Là on est déjà un peu plus proche du. Plus proche. Du drapeau. Est-ce que ça passe juste sans trop lutter? Punaise, le vent, j'ai pas fait gaffe au vent. Ah, oh, je suis pas dans le bunker, ça c'est une bonne nouvelle. Alors, est-ce que là, ça va y aller tranquillement? Non! À côté? Voilà. C'est un par. En 5 coups, Mario a fait 6 coups, Todd a fait 5, oui c'est ça, et Boo a fait 6 coups. Bah en fait, j'allais dire ça va, mais c'est vrai qu'il y a le temps qui est pris en compte, j'avais complètement oublié ça. Je vois le live, coucou Jay, coucou Yekipon. Ninji est super mignon. Ouais, Ninji il est méga mignon en fait. Je me souvenais pas qu'il avait cette petite bouille là, mais en vrai il est super mignon.
Même si, je vous disais tout à l'heure, de mémoire, il est violé, non ? Ninja. Il me semble que de mémoire, il est violé. Et qu'il est apparu pour la première fois, et ça, j'en suis quasi sûr, dans Super Mario Bros. 2. Mais chauffard ! Le clignotant ! Pouf ! Ah mince, il est déjà sur sa balle. Il y a un sapin en face, une petite colline. En vrai, ça peut passer tout droit. Tac, allez. Paf ! Allez, cours. J'aimerais bien utiliser mon pouvoir. Voir un peu c'est quoi le pouvoir de Ninji. Je sais plus comment on fait. C'est légèrement en descente. Stop, 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 descends la balle un peu plus, un peu. Dommage. C'est vraiment dommage ça. Non, c'est pas grave. Je le vois noir dans mes souvenirs dans Mario Navet. Donc c'est bien Super Mario Bros 2 du coup, c'est ça. Il était noir, il était pas violet. Je sais plus. J'ai un gros doute maintenant. J'ai un gros doute. Attention. Ah! J'ai mon pouvoir. On va voir ce que c'est un peu le pouvoir. Allez, on tape. Mais les pingouins, ils font peur à passer à toute vitesse comme ça. Allez, vas-y, Ninji. Ou Ninji. On va l'appeler Ninji. C'est comme Ganji. Sauf qu'il fait pas Madamada. Pourquoi j'ai fait ça? J'aurais dû utiliser mon pouvoir encore. Moi penser utiliser le pouvoir. Comment on l'utilise déjà? Je sais même plus en vrai. Ça fait longtemps. Au secours. Non, dans le bunker. Non, non, pas ça, pas ça. Mais il m'a frappé. On joue au golf là. Pourquoi tu me frappes? Non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. C'est bon, j'ai passé. Non! Je sors du bunker. Je rentre dans le bunker. Magique. C'est bon, c'est sorti. Allez! C'est bon, ils peuvent faire. Ils ont tous fini en fait, donc voilà. C'était génial, j'ai même pas pu utiliser mon pouvoir. C'est parfait, c'est génial, c'est génial. Hop là. Triple bogey. Je suis dernier. Et j'ai envie de dire, ça ne m'étonne même pas en vrai. Mais c'est pas grave. En vrai, ce n'est pas grave du tout. Waouh! J'ai 5 points! 9 et 10, c'est quoi? Je comprends pas ce score. Enfin, c'est Christian qui a gagné. Bravo Christian. Toad. Veuillez patienter. Ouais, ouais, dernier. Attendez, c'est un aller-retour? C'est un 18 trous que j'ai fait? Non. Non, c'est un 3 trous, hein, d'accord. Point de match envoyé, oui. Génial, je suis 4064e mondial. En vrai, bah ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui y jouent. En vrai. Ça, c'est bien dommage, encore une fois. Je vois Ninji noir un peu partout. D'accord, bah je sais pas pourquoi dans ma tête j'avais une idée qu'il était de couleur violette. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. J'ai ça en tête. Je fais erreur donc. Oh. Oh. Alors. Oh mince, le timer. Bon bah. On va poser la manette, hein, on va attendre que les gens arrivent.
Donc 4000 et quelques mondiales, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup, une poignée de centaines de gens qui jouent encore à Mario Golf. Techniquement, c'est censé tag en vrai. C'est vraiment censé tag. C'est pas comme si c'était un multi où il y avait vraiment personne, comme je sais pas. Comment il s'appelle le jeu de genre ? Brawlout. Brawlout, il y a personne qui joue. Il y a des artworks officiels violés, cela dit. Ah ! Ah mince. Bah peut-être qu'il y a eu des versions où il était noir et des versions où il était violé. Ça a pu arriver. Peut-être, je sais pas, hein, si c'est ça comme ça. En vrai. Je ne sais pas du tout. Par contre, qu'il ait deux boutons sur le torse, ça je m'en souvenais pas vraiment. Et bon, il fait penser un peu à un personnage haricot dans Fall Guys. Fall Guys. Il me fait penser à un personnage de Fall Guys en fait. Tout simplement. C'est peut-être pour ça que je le voyais violer en vrai. Vu que tous les bonhommes Fall Guys à la base sont de couleur très flashy. Allez, 10 secondes. Et on va être envoyé au menu. Ou alors il y aura des bots, je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Des ordi, parfait. Je vais pouvoir perdre. Ouais, le Toad, il a un râteau. On joue au golf, hein, on joue pas à la pétanque. Alors, on part un peu en hauteur. Attention. Légèrement. Bon, cette fois, on essaye le pouvoir. Dès que c'est possible, on fait le pouvoir. Allez, cours. Comment ils font pour faire ça déjà ? C'est pas ça ? Ah, c'est le bouton A. Sur le green ! Ah oui ! Alors, pas le pouvoir maintenant. De toute manière, j'ai pas la barre de puissance. Que ça passe. Mais je déteste ce jeu, ça y est, c'est décidé. C'est pareil que tout à l'heure, la balle qui touche le bord et qui finalement se fait dévier parce qu'elle a touché le bord. C'est... Tant pis, c'est pas grave. Pour l'instant, je suis deuxième. Attention au chrono. Chrono est pris en compte. Attention. Ah, ils utilisent maintenant. Bon, mais c'est pareil alors. C'est pris pour Garen. Oh, trop mignon. Le petit parachute, pardon. Je m'y attendais pas. Il était trop chou. J'ai plus de vie de ma barre de plus. Oui. Est-ce que je vais faire un sort ? Je vais pas finir dernier, c'est la question. Où est ma balle là-bas ? La musique est chouette, ça fait vraiment musique de Noël. Poussez-vous les gens ! Ah mais il y a le vent au-dessus là. C'est bon, ça va, il s'est arrêté à temps. Ouf. Trop fort. Trop fort, mais il y a du vent quand même sur le green. Allez, dis-moi que ça passe. Des fois c'est 3 à gauche, des fois c'est 3 à droite. Hein. C'est Daisy qui est bien placé là. Et je suis dernier. J'arrive à être dernier contre des bots. Ah ouais. Dernier contre des bots. Je suis ravi. Attention. Ah.
beaucoup de vent. Il y a du vent en face. Allez, vas-y, vas-y, avant que le nuage ressouffle. Ça passe? Je crois que c'est passé. J'adore comment il se déplace. Ça va devenir un de mes personnages favoris, c'est possible. Alors, tout droit, il y a un petit vent. Il y a les pingouins, ils nous font flipper encore une fois. Est-ce que je vais être bien placé? Telle est la question. Non. Dans le bunker, j'adore ça. C'est ma passion, les bunkers. C'est faux. Une blague? Hop là. Je suis un peu loin. En vrai, je suis un peu loin. J'y ai cru et au final, non. Double bogey. Non, non, non. 4e. C'est Daisy qui gagne. Ah non, c'est Yoshi. C'est Yoshi qui a gagné. Daisy est 2e. D'accord. Ils veulent qu'on fasse le score A, classement A, pour avoir les récompenses. Mais c'est que... C'est non en fait. C'est juste non, tout ça pour les Toads colorés, mais non. Non, non, je le ferai pas. C'est mort. C'est mort, c'est mort. Par contre, comment est-ce qu'on change de parcours? C'est une bonne question ça. Parcours actuel, combo vent, parcours suivant, pic à palme. Changement de parcours dans 6 minutes. Ah, fallait le dire plus tôt. On y retourne à Nanji en speed golf. 6 minutes à faire. Si on a le temps de faire une partie de plus à Nanji. Quand même. Et il y a déjà des gens dessus. Parfait. Ça veut dire que ça va tag juste après le chrono. Ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, deux énergies. Pas grave. Avec un Mario au milieu. Mario trop classique, trop équilibré, Mario. Deux Mario. Ah d'accord, donc deux énergies de Mario. C'est 6 minutes à partir de maintenant. Mais ça va faire. Ça, non, les 6 minutes, attention. Ça va passer trop rapidement en fait. Alors. Le drapeau est en bas. Petit effet vers l'avant, pas trop fort. Non, c'est moi qui me suis pris le coup. Bon, c'est pas grave. Ah mince, je suis allé trop loin en fait. Où est le drapeau? Je le vois pas. Il y a un buisson devant moi, pardon, mais qu'a fait le jardinier, le paysagiste? Il y a des buissons sur le parcours, les gens, je vois rien du tout. Je crois qu'il est là, le drapeau. Hop là. Je suis dans le buisson. Ok, non, je suis devant. Il y a le nuage, par contre, il me fait peur. Yes! Dans le trou. J'ai fait un chip. Je l'ai mangé. 3, 3, 3, 4. 3 coups pour tout le monde, sauf pour Mario jaune qui a fait 4 coups.
J'ai un peu traîné la patte quand même sur le temps pour tirer les coups. Attention. Oh, excusez-moi. Alors, il y a un drapeau au-dessus. Il n'y a pas beaucoup de vent. On va en profiter. On va mettre un peu d'épée. Et vas-y. Je suis en bleu, hein, on est d'accord. Pardon, excusez-moi, monsieur. Hop. Non, je suis en vert, pardon. Je suis en vert. Encore un bunker? Je suis abonné, hein. C'est bon, ça passe. Je sais pas ce que j'ai fait, mais c'est passé. Alors. Il y a un peu de pente. Ouais, il y a une petite pente. Il y a un poil devant, mais vraiment un poil. Pour l'instant, les effets se passent bien, en vrai, sur ce personnage. Je me souviens, avec les autres personnages, c'était pas ouf. Ouf! Ah non. Punaise, j'ai pensé que j'étais dans le bunker, mais ça se voit rien. Ça se voit à 2 mm en vrai, le bunker là. 2 mm. Pas trop fort, pas trop fort. Oui! Chip réussi. Encore un chip. J'ai encore fait une chips. Trop bien. 4-4-4. Normalement, je devrais pas finir dernier. Normalement. Normalement. Le GG, merci beaucoup. Ah, Mario, il vient de lui arriver, ce qui m'est arrivé assez souvent. 6 coups pour Mario. Pour Flabert, de son pseudo. Je suis... 3ème. Ah. Je suis 3ème. Je suis pas dernier. Bah, en vrai, c'est pas mal, je suis pas dernier. Attention. C'est pas mal du tout. Alors, on se met là. Il y a un poil devant encore. Le drapeau est loin. Le drapeau est assez loin. Elle est court. Je sais même plus à quoi servent les pièces. Peut-être un peu plus la jauge de pouvoir. Ah mais ça glisse, le terrain glisse. Je viens de m'en rendre compte. En même temps, neige, tout ça. Encore les buissons. Bon mais sérieusement. Ça passe. Non les... Les pingouins. Hop là. Est-ce que de là je vais atterrir sur le green? En vrai, c'est un petit doute. Il est moins fort que les autres fois. Et c'est relativement proche. Ça va. Ça aurait pu être. À 5 coups. Il y a rouge et bleu, et bleu sont à 3 coups et jaune est à 8. Je resterai 3ème. Je suis pas dernier en vrai, je suis pas dernier, donc c'est pas mal en vrai, je suis pas dernier du tout. Bon. Encore un buisson, nouvelle reprise de Jean-Jacques Goldman, encore encore un buisson et j'ai pas, je voudrais inventer la suite. Bonjour Diaz, j'ai le droit de faire des jeux de mots avec... Non, non Diaz, non. Bon, et puis c'est du déjà fait en fait, donc c'est du réchauffé. Bon. En vrai je pensais pas jouer en classé, mais bon. Vu que les terrains sont dessus, on en profite.
Génial, je passe de C à C+. Je suis content, dis donc. Oh là là, je passe de 4000 mondiales à 2200 mondiales. Quelle joie, quel enthousiasme. Je m'en cogne un point. Quand je serai premier, on en reparlera. Est-ce que ça y est, il y a le nouveau parcours ou pas encore? On avait dit 6 minutes. Normalement, c'est bon 6 minutes là. Mais peut-être qu'il faut que je change de personnage. Parce que c'était le but. Voilà, il y a Piki Palme. Je change de personnage. On va prendre Koopa. Koopa, donc, il y a une bonne précision. Un peu moins de vitesse par rapport à Ninji. Par contre, niveau effet, c'est pas... Ah, les effets... Ah. Au secours. En speed golf et sur le nouveau parcours, donc le deuxième nouveau parcours. J'ai déjà oublié son nom, je crois que c'est Piki Palme. C'est écrit quelque part. Oui, c'est ça, Piki Palme. C'est écrit en... Et il y a encore une fois un Koopa, Mario et Koopa. On va parier que la quatrième personne sera un Mario. Donc c'est au moins, on ne prend pas de risque. Encore un buisson de rognon pour habiller nos chers rompons, j'avoue. Vieux pot, confiture, tout ça, je suis brimé. On se fait vieux tous, hein, de toute façon. 6 minutes douche comprise. Mais alors, il n'y a pas besoin de passer un quart d'heure sous la douche. En vrai, on peut très bien être très très propre en 3 minutes. Il n'y a pas besoin de plus. Et puis ça fera des économies d'eau, d'énergie, et donc c'est meilleur pour la planète. J'ai reçu ma facture d'eau le mois dernier. Ça pique. Donc, j'économise de l'eau. En parlant de facture de taxes et tout, en ce moment c'est la période de la taxe d'habitation, de la redevance télé. Faites vos démarches, si c'est pas fait, faites-le, sinon vous allez avoir des soucis. Faites vos démarches. Ne ratez surtout pas ça, sinon ouais, ça peut apporter des gros soucis. Donc faites vos démarches, comme ça vous êtes tranquille après. Le déo et le fébraise n'ont pas été inventés pour... Oh, non. C'est horrible. Attention. Bon, alors Koopa, objectif, tester son pouvoir. Le décor est très joli. Les décors sont vraiment très très jolis. Il y a un petit vent, j'ai pas fait gaffe. Mon dieu, j'ai failli me prendre la... Il sort d'où ce 1000 balles là? Oh, il est complètement gratuit. Les décors sont vraiment jolis. Ah mais attendez, mais je suis de l'autre côté moi. D'accord, apparemment je ne sais pas nager. Voilà. Je suis mon visiteur, là je suis mon touriste et du coup je me noie. Hop là. Alors petit vent. Ah mais il y a des tornades! Il y a des tornades! Et ça fait quoi si je vais dans la tornade? Ça fait ça. D'accord. C'est utile. Et je suis à côté du drapeau. Et en face! La colline, parfait. J'ai juste à viser bien en face. Attention au vent. Je me décale un poil. Normalement ça passe. Bon, j'ai perdu du temps, mais c'est passé. 4 coups. Rouge est à 3. Je suis où, moi? Je suis en vert. Vert, donc 4 coups. Bleu, il est en 4 coups. Jaune est en 5. Ok, donc je ne suis pas dernier. Attention. Je suis un Bowser Junior, Harry. Alors, de nouveau, il y a des tornades. Le drapeau est sur la droite. J'ai envie de le tenter comme ça, mais j'ai peur de l'étendre du dos. Voilà, on va voir. Il y a Bowser Jr. qui a fait pareil que moi. On va tous voir. Comment il fait pour utiliser un truc aussi vite, Bowser Jr.?
crois que j'ai oublié la certaine commande. Alors, il y a de la fumée en plein milieu du drapeau. Hein. Je sais pas ce qui se passe. C'est inquiétant. Je sais pas. C'était juste un effet de partout, peut-être. J'ai plus d'énergie du tout. Alors, le green. Non, c'est pas moi. Je suis sur le green, parfait. Bah, tout droit, comme tout à l'heure. Voilà. Trois coups partout, sauf Bowser étant 4. Comment il a fait Bowser? Bowser Junior, il est quand même parti en trombe en vrai. Comment il a fait pour se rater? Bah, une erreur est vite arrivée sur le jeu. Je suis deuxième. Miracle. C'est un miracle. Attention. La minimap ne me rassure pas sur ce... sur ce coup-là. Allez, on court. Ah! Il s'est pris le cactus, on l'a tous vu. J'ai pris un bill-ball. Ouais. C'est pas agréable. Alors, tout droit. Tout droit et on va dire que ça passe. J'ai voulu esquiver la boule pique et j'ai pris en pleine tête. Ça va être un petit peu en pente sur la hauteur, va falloir viser en cloche. Et en plein milieu du trajet de la truc. Bon, heureusement ça va. J'aurais dû viser un poil plus fort peut-être. Ça aurait pu passer. Et c'est non. Bon, bah je pense que là du coup je perds ma seconde place. On est tous à 5 coups. Attendez, un 19, un 12, un 15. Ouais, je suis 3ème. Bon. C'est serré en vrai par contre. Hein. 3,49. 3,40. En vrai, c'était serré là. Donc bon. Bravo à Mario. On n'a pas utilisé le pouvoir, je viens d'y penser là. Faut que j'y pense. Oh mon dieu, je suis B-. Ah, mais en fait, on peut monter le rang A en vrai pour la récompense. C'est faisable en vrai. Je pensais pas que les points montaient comme ça. Points attribués 7. Bonus de participation 3. Bonus de rang supérieur battu 10. En vrai, c'est faisable. On y retourne. J'ai pas vu si le parcours changeait toutes les demi-heures, 20 minutes, un quart d'heure, une heure, peut-être 6, je sais pas. Je sais pas du tout, j'ai pas regardé. Hein. Il y a un Wario. Je vais penser à WarioWare. Très rigolo comme jeu, WarioWare. Mais très dur. En vrai. Tu dis pourquoi tu dis qu'est-ce qui se passe? Non, ah oui, pardon, oui. Oui. Bon, apparemment, ça va être un duel. Je joue contre Sud avec un S.
Comme s'il y avait plusieurs suds. N'importe quoi. Ah bon, il y aura des ordis quand même. Toad et Bowser Jr. de nouveau. Avec Bowser Jr. qui a une casquette avec des yeux. On va traverser toute la map. Attention. Bon, c'est pas grave. Est-ce que je passe là? Attendez. Je vais le faire entre les arbres. Entre les arbres, tout droit. Yes, je suis passé entre les arbres. Allez, on y croit. Par contre, je sais pas du tout où va la balle. Légèrement devant. Il y a un poil devant sur la gauche. Je vais mettre par là comme ça. Je ne prends pas la tornade. Quoique si je vais la prendre en vrai. Allez, tornade. Je suis à côté du green. Je suis pas sur le green, je suis juste à côté. Alors, est-ce qu'on fait un chip ou pas? Non, je crois pas. Non, trop fort. Ouais, ouais. Si, je l'ai fait. Oh! Oh! J'ai même fait un eagle. Parce qu'il parle très fort, donc eagle. Voilà. C'était la blague. Allez, Wario. Wario apprend à jouer, Wario est AFK. Wario est sur le point de départ en fait, oh! Wario est AFK. Si le temps parti est incoulé, c'est un abandon pour le jeu. Il reste 10 secondes je crois pour Wario. Allez Wario, on se réveille. Allez le sud avec un S. Eh oui. 9:30. Ouf. Bon ben il est sûr de finir dernier. Attention. Il y a un peu de vent encore une fois. J'ai mon pouvoir, on y pense. Pouvoir sur 20. Je suis une carapace. Il fait du breakdance. Très bien. Je viens de voir les effets du pouvoir, en vrai c'est super intéressant le pouvoir du pouvoir. Par contre je suis en zone à pénalité et ça c'est dommage. Où est-ce que j'ai atterri? Ah, Wario s'est réveillé. Ok, j'ai atterri dans l'eau. C'est pour ça qu'elle est à côté. Très bien. Il y a un caillou droit devant, il va falloir faire gaffe. Ok, c'est bon. Allez, tornade. Tornade. Et encore une fois, je suis à côté du green. Hein. Je suis pas dedans. Oh, de l'aloe vera. Regarde. Allez, il y a un poil devant. Je suis en pente. Là, par contre, pour faire le chic, c'est tendu. Hein. Ouais, voilà. C'est totalement à côté. C'est même plus qu'à côté, là. Taper une force phénoménale, c'est faux. Ah, c'est dommage ça. Ça, c'est dommage. Triple bogey.
Attention. Allez, le drapeau est en haut. Il y a un parcours très dangereux en face là. Les boules à pic là. Dangereux ça. Il y a Bowser Junior, il a pu les repousser. Ah d'accord, je peux même pas les taper, d'accord. C'est le green. Ok, soit. Trop fort. Et pas si fort en fait, pas si fort. Et non pas comme la fleur, la passiflore, non, ça n'a rien à voir. Un par. En trois coups. Et je suis premier. Je suis premier. Attendez. Comment Wario il s'est rattrapé là? Comment il a fait pour remonter Wario avec son temps? Bordel, je suis premier, j'y crois pas. Ou alors les gens étaient encore plus mauvais que moi. Je sais pas. Du coup, ça fait beaucoup de points, ça. Donc. Et non, ça fait que 12 points. Je comprends pas comment c'est calculé du coup. Je comprends pas du tout. C'est pas grave. Peut-être est-il devenu un IA. Ah ouais. Mais il y avait encore son pseudo. Mais ouais, c'est une possibilité en vrai. Allez. Prochaine partie encore avec Koopa. Il y a Hunter, il y a oh, SLMU, le Mario de tout à l'heure. C'est le Mario de tout à l'heure. En C, tu gagnes des points bonus en tapant DB. Ah, ah c'est fichu comme ça. C'est dommage. Ouais, si je comprends l'idée, mais. Disons que en gros c'est faire des matchs pour faire des matchs, le classement on s'en fiche, et quoi qu'il arrive à la fin t'as des points et tu as quand même la récompense. Alors que si t'es fin, je trouve dommage que de pas donner plus de points quand t'es premier. Enfin, après c'est pas là, c'est clairement pas un jeu sur lequel j'y joue tous les jours, hein, ça c'est clair. C'est juste que vu que j'avais fait l'aventure classique, enfin le mode histoire, vu qu'il y avait un mode histoire. Que par la suite il y a un peu de contenu, qu'encore un peu, il y a quelques jours ils ont rajouté un peu de contenu, bon, on poursuit. Mais dans 6 mois on sait très bien qu'il y a plus de contenu et il n'y a plus personne sur le jeu. Ça. C'est comme pour Mario Tennis. Et c'est bien dommage d'ailleurs, parce que c'est des jeux intéressants. Que ce soit des party games entre amis, en famille ou même juste pour se bouger parce qu'on peut vraiment jouer. Attention. Avec les mouvements, que ce soit Mario Tennis ou Mario Golf. Donc même ça, c'est quand même des trucs intéressants. Il y a une tornade en face de moi, on va essayer de la voir. Je parle bien sûr de la tornade qu'on voit en non. Je sais pas si j'ai eu. Oui, il y a des chances. Oh, zone à pénalité, non. Bah, du coup, voilà. C'est dommage. Tornade. Je crois que j'ai eu la tornade. Recule, recule, recule. Pardon ?
tornade m'a eu quoi. Allez. Trop fort. Bon. Il y a un peu de pente. Pas assez fort. Eh ben on finira pas premier. Allez, on y croit, on court. Non, Yoshi, pousse-toi. J'ai vu sur la droite. C'est passé. Je suis sur le green et à 1 mètre. Pas mal. Non, c'est pas moi qui suis à 1 mètre. Non, si je suis à 1 mètre du green, pas 1 mètre du drapeau. Voilà. C'est ça. J'ai touché le mât. Non. Ouais, ça je le gère pas, ce coup là je sais pas le gérer. C'est pas grave. Joli pas. Attention. C'est un combien de trous là le parcours, j'ai pas fait gaffe. Là aussi, hop là. Pardon, je passe. Alors juste en face, il y a une tornade. Il y a du vent. Je n'ai pas d'effet. Est-ce que je prends la tornade? Oui, la tornade est prise. Maintenant, c'est mon personnage qui va la prendre. Je suis en bas de la colline. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Donc, il va falloir jouer en cloche. À côté du drapeau, parfait. Ah, c'est fort. C'est dommage ça. Non. Je suis nul. Double bogey. Double bogey. Eh ouais, dernier. Oh, il y a une égalité. D'accord. Ça fait 3 matchs avec Ninji, 3 matchs avec Koopa. On va faire un autre avec Ninji, puis un autre avec Koopa. Et ça sera pas mal sur Mario Golf, il n'y a pas besoin de montrer.
Arrête de dire que tu... Non, mais c'est pas... C'est un fait, en fait. C'est un fait, en fait. C'est français, ça, dis donc. Non, non, mais c'est normal. C'est, ça me choque pas, ça me déçoit même plus. C'est normal. C'est, ouais, c'est... Il y a des choses dans lesquelles on est très mauvais, il y a des choses dans lesquelles on est un peu moins... un peu mauvais, il y a des choses où on est bon, des choses où on est très bon. Mario Golf, c'est vrai que je suis pas très très bon dessus, voire pas du tout. Le premier, la première place de tout à l'heure, je la comprends pas, par exemple. Mario Tennis, je le trouve plus compliqué à appréhender si on n'a pas fait le mode histoire. Mais je me débrouille un peu plus sur Mario Tennis. Alors, je suis pas bon non plus dessus. Je me débrouille déjà un peu plus. Alors que si on me met Wii Sport avec le bowling, là, par contre, on peut commencer à discuter. Fait penser que il y a peut-être possibilité de faire du stream sur pas Wii Sport mais sur je vais le dire en français 51 World Wise Games, où c'est en fait c'est plein de jeux société directement sur la Switch. En vrai, ça pourrait être sympa en vrai, hein. Et apporter plus de jeux société qu'on fait d'habitude, ouais, avec plus de diversité de jeux. Je me garde ça sous l'oreille, j'y ai pas pensé. Maintenant je le garde sous l'oreille. Allez, 20 secondes, 15 secondes. Je m'en fiche des excuses. Non, c'est pas des excuses, c'est la vérité. Redonnez-moi Mario 35. Oui, je vais dire que oui, là j'ai un niveau dessus. Alors que Tetris 99, par contre, c'est le pire Battle Royale de ce style-là, je pense, pour moi. Tetris 99, j'ai vraiment du mal. Et pourtant, j'y joue de temps en temps. Et ouais, Tetris 99, dur. J'ai pas retouché à Pac-Man depuis le dernier stream Pac-Man. J'ai pas retouché. Allez. Mets un J sur ce parcours-là. Oui, petit parachute, trop mignon. C'est décidé, j'adore ce personnage. Oh, attendez. Yes, en deux. Bon, on l'a tous fait en deux, mais je l'ai fait aussi. J'aimais bien t'y voir. Je sais plus lire. J'aimais bien t'y... Ah non, c'est il y a une fois, c'est pas. J'aimais bien t'y voir y jouer. Il me tardait de voir Ninji quelque part en vrai, tellement oublié. Mais c'est vraiment un personnage oublié, tu l'as dit, mais sous-côté en vrai. Il y a tellement de petits ennemis en personnage sur des Mario Party, des Mario Tennis, Mario Golf, mais aussi le Mario Foot, j'ai oublié le nom. Mario Basket, et c'est vrai que au final on en voit beaucoup qu'on connaît trop. Attention. Qui sont pas intéressants, alors qu'il y a des personnages totalement mignons et qui méritent d'être beaucoup plus connus, comme Ninji. Il est où le drapeau? Il est là-bas. Je vais le tenter, hein. Et des personnages au contraire dont on se fiche totalement, mais qui font partie des icônes. Par exemple, le Goomba, perso, je m'en cogne à un point. Je trouve Ninji beaucoup plus intéressant que Goomba. Ah, le caillou. Ouais, je vais aller là-bas. Je vois qu'il y a un bunker en face. On va faire gaffe, on va faire attention. Mais par contre, comment je vais dans la zone après? Il y a un pont quelque part là? Ouais, il est là-bas. Oui. Alors, ma balle. Où est ma balle? Alors. Pardon, Mario, je passe.
Ah mais je suis loin en fait. Hop. J'ai pas voulu mettre d'effet. Pardon, l'aloe vera je passe. Hop là. Trop fort. J'ai tapé le mât. Et je suis dernier. Goomba, on le voit nulle part en jouable. Il est pas dans les Mario Party. Et Mario Tennis. Je veux pas trop m'avancer. Mais je crois qu'il est dans le dernier Mario Tennis. Ça fait très longtemps que j'ai pas retouché à Mario Tennis, donc je ne vais pas m'avancer. J'étais pris dans mon élan. Vous voyez, je passe là. Ah, mais attends, c'est normal. J'allais dire, je croyais que je passe la rivière en fait. Normalement, oui. Ah non! Non, non! Je vais viser les cocotiers. Hein. Dans l'aloe vera encore une fois. Oh punaise. Allez tout droit. Ça passe. Je me souviens pas de l'avoir vu. Pas de Goomba dans Mario Tennis. D'accord. D'accord, d'accord. Et je suis dernier. Et voilà. Bon, au moins j'aurais été premier une fois. Pas mal. Bien, je suis passé de 4000 mondial à 1400, 1500. Pas mal. On va passer sur Koopa, mais avant ça, parcours actuel, parcours novice. Donc ça change bien toutes les demi-heures en fait. Parcours suivant, il reste quoi. C'est ouais, ça change toutes les demi-heures. Ok. C'est un peu, on va me corriger sûrement, mais c'est comme dans Platoon où la rotation des maps c'est toutes les demi-heures ou toutes les heures ou toutes les deux heures, je sais plus, mais ça reprend ce système là. Ah ouais, je vais lancer une dernière avec Koopa et ce sera tout pour Mario Golf. 2 heures si j'ai pas de bêtises sur ce plateau.
coup Daisy versus Koopa versus deux IA qui seront Bowser et Bowser Jr. La famille. En vrai, je viens de me rendre compte d'un truc. Je viens de me rendre compte d'un biscuit d'apéro, bien sûr, oui. Je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que j'ai eu un peu de chance là sur les parcours qui ont pop en classé, qui sont pile poil ceux que je souhaitais à montrer. Sinon, j'aurais fait du match libre et j'aurais choisi à la main, hein, bien sûr. Mais tout parfait en fait, nickel. Allez, dernier match avec Koopa en 3 trous. Attention au bunker. Ils sont tous partis sur la gauche. Vraiment là. Non ! J'ai mon pouce sur la manette, il a fait double clic alors que je voulais pas, quoi. Voilà. Aïe. Allez Junior, tu peux le faire. Premier pour l'instant. Attention. Premier. Oula, Bowser a un pouvoir, du coup je vais faire pareil. C'est vous. Voilà. Dans le bunker. Oui, je suis dans le bunker. Oui. Je vais faire le tour, sinon je vais être ralenti. Dans le bunker de pas beaucoup quand même. Hein. Non, pas notre bunker. Allez, bunker. Et la carapace qui part à Pétaouchnok parce que j'ai pas su la diriger. Joli. Ok. Allez, tout droit. Yes, ça passe. Je suis un peu en retard, mais ça passe. Je passe de premier à dernier. Verdict avec le dernier trou. Attention. C'est tout droit. Il n'est pas si loin que ça. Ah, oh, Bowser. Non, là-haut, non. On va attendre. Voilà, c'est bon. Et du coup, Daisy, elle nous a envoyé la balle loin. C'est dommage. Merci, Daisy.
perdu. Bogey. La quatrième place. Troisième place, d'accord. Égalité avec Bowser. Bon. Daisy première. Rambé, c'est quand même pas mal en vrai, je pensais pas qu'on montait à ce point, enfin, du moins comme ça. Après le système est mal fait, je trouve que ça mériterait d'être refait. C'est peut-être trop simple de monter, mais par contre quand on gagne, on monte autant que si on perdait. Donc c'est ça, je trouve ça vraiment dommage en fait. Vraiment vraiment dommage. Voilà pour cette petite session Mario Golf, c'était toute petite session Mario Golf, c'était volontaire. Évidemment, mais je poursuis, je reste, on va passer sur autre chose. Du coup, je vais faire un clap de fin juste pour YouTube. Du coup, YouTube, évidemment, suivez l'actu de l'asso sur tous les réseaux, rejoignez le Discord, évidemment, abonnez-vous, suivez sur Twitch, c'est hyper important, on compte sur vous. Voilà, YouTube, cordialement.